Ça, c'est de la saloperie. Alors, on a quoi? On a. Alors, on tire. Nous avons Libellule avec son arc à flèche. Nous avons. On n'a que Libellule. À quelle vitesse vont nos mégaraignées? Mégaraignées 360. Bon. Atto 1,63. Vache 1,63. C'est toi qui vas aller prendre ça. Vache, tu viens me chercher le fusil d'assaut normal. Vache, t'as bouffé ou pas? T'as pas bouffé, mais tu fais ça quand même. Il fait combien dehors? 44, est-ce que Vache a une possibilité d'aller à 36 degrés? Ça va. Libellule, là, 38 degrés, ça va. Donc, ces bestioles-là, on va les intercepter. Elles vont venir par ici. Donc, on va faire ceci. On va les chasser. On va mettre travail. Vache à la chasse. Notre calot aurait pu aussi. On va mettre à l'eau aussi. Et on va mettre Grizzly aussi. Qu'est-ce qu'il faisait Grizzly? Il récolte. Il a besoin de récolter Grizzly. Non, non, Grizzly, je te mets pas en. Grizzly, je t'oublie. Voilà. Allô, vache. On va regarder si on peut fournir des armes à tous ces gens-là. Allô? T'as besoin de manger, allô? Mais bon, tu vas attendre un peu pour manger. Vache, je t'ai emmené en prendre ça. Allô? Tu vas prendre un flingue ici. On va te laisser bouffer, peut-être. Tu vas pas aller bouffer d'abord, vache. Allô, tu vas miner de l'ardoise, hein. Donc tu vas me prendre ça. Voilà. Ensuite, on va tous, les trois, on va passer ici, vache et libellule. Voilà, on met tous les trois. Et donc, normalement, vous devriez aller tous les trois, libellule, chasse, oui, allô, tu manges et puis tu chasses. Okay. Je préfère ça d'ailleurs. Et vache, tu fais de la relaxation. Vache, chasse. Ok. Allô, mange et tu es parti chasser également. All right. Voilà. Ensuite, allô, t'es où, allô? Okay.
toi, Pabst, 2,92. On va laisser les belles dessus. Les belles. Alors, vous attaquez qui, les gars? Donc, maintenant, toi, tu continues à chasser, toi, tu continues à chasser. Toi, tu attaques à l'eau, toi, tu attaques à l'eau, et toi, tu attaques à l'eau. Ok. À l'eau. Tu viens par ici, mon ami. La libellule. Ta libellule. Allez venir par ici, le petit gars. Allô? Tu viens là-bas, mon ami. Alors, toi, tu attaques uniquement libellule, donc vache. Tu viens ici. Non, maintenant, toi, tu attaques vache. Ok, donc tu vas venir. Te tirer de là, la libellule, tu vises. Allô, tu viens là-bas. Ok, tu attaques vache. Toujours, ok. Voilà, allô, allô. Le chauve. Le chauve, tu vas avoir ta restriction. Le chauve, tu es où? Tu viens ici. Et d'équerre aussi. Par contre, d'équerre, je voudrais te surveiller, toi. Parce que, okay. Donc, comme ça, ils vont pouvoir aller me chercher aussi des bestioles. Avant qu'elles ne meurent. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, on voit que le chauve, il taille des blocs. Donc, il peut venir récupérer ça. Voilà. Vache, tu te tires, libellule, tu bouges un peu plus sur le côté. Voilà, et puis tu y vas. Vache. Allô, on va continuer un peu plus loin, mon ami. Libellule. Ok, celui-ci 2,77. Tu viens là-bas. Allô? Viens ici. Les balules, tu continues à attaquer le méga rainier. Tu as à bonne distance. Ok. Ok, vache, tu redescends un petit peu. Allô. Va par ici. Vache, tu redescends.
Ok, allô? Viens à Paris. Viens à Paris. Vache, tu reviens aussi par ici. Ok, il est mort. Il est mort. Il est balèze, là. Vache. Ado. On est tous les deux. Pas de chance, vache se fait toucher. Eh ben, dis donc. Waouh, visez-moi un peu le coup qu'elle a pris. Une fois, quoi. Elle s'est fait toucher au cou. Elle s'est ramassée du. L'autre lui a envoyé du sable dans les yeux, une taillade et un coup dans les reins. Eh ben, dis donc, ma pauvre vache, tu n'as rien pris dans les jambes, donc ça va. Donc, vache, tu vas rentrer à la maison. Tu viens. Voilà. Vache. Ouais, tu. Alors, montre-moi ça. Ok. Ok. Alors, allô? T'en es où? Tu peux faire le tour par là. Ok, on va te laisser. Lui, il est comment? Tu tires comme un pied de toute façon, donc tu n'y arriveras jamais. Des belles là. Rapproche-toi. Combien tu vas, toi? À quelle vitesse est-ce que tu vas? 3,28. Toi, allô, tu tournes à du. Trois quatre-vingt-treize. On va te faire remonter. Fonce, mon petit, fonce. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Et toi, t'es mort. Ok. Donc, libellule. Ok. Toi, tu viens par ici. Il va le laisser. Alors, allez, on continue, mon ami. Il va le là. T'es mort, t'es mort. Les bellules, tu chasses, ok, tu récupères. Allô, on te stoppe, tu ramènes ça à la maison. Transport, ok. D'équerre, d'équerre, tu viens récupérer.
On a juste notre petite libellule qui s'est fait bien péter le nez. Mais ça va être. Je vais être soigné, hein, la petite. Qui est-ce qui peut me soigner? Decker, t'es combien toi? T'as un 6,72. Qui est-ce qui a 8 en fait? J'ai le chauve, t'as combien? T'as 2, libellule. T'as 9. Avec ça, soit libellule qui me la soigne. La vache, elle n'aurait plus que 7 à peu près. Hein. Si elle se soigne elle-même, elle ne se soigne que de 70%. Et toi, tu as 8. T'es où, toi, toi? Tu ramènes aussi. Et libellule ramène. Ok. Donc, je vais dire que vache ne peut pas se soigner elle-même. Ok, c'est bon. On va quand même lui mettre une petite truc en plus, là. Petit terme, parce que elle a quand même un coup sur le rein. C'est pas trop bon, ça. Bon, c'est que des taillades, tu vas me dire, hein. Mais bon, on va. Alors, ici, comment ça marche? C'est ok. Bon, malheureusement, je crois pas que les trucs ça donne des. Je me demande si ça donne ça, tu vois. Toi, tu donnes du cuir ou pas? Quantité de viande, non, tu donnes juste de la viande. Quoi. Par contre, avec de la viande, je pourrais donner. Qu'est-ce qu'ils bouffent mes chameaux? Mes chameaux, ils bouffent quoi? Ils bouffent des croquettes. Je peux aussi transformer la viande et faire un plat avec la viande. Je pense que je devrais pouvoir donner ça au. Bonne question, ça. On va essayer de faire ça après. On verra. Déjà, on va la laisser un peu au frigo pour le moment. Bon. Ça, c'est fini. Malheureusement, en plus, vache a dû se prendre des coups sur les vêtements. Tu vas pas admirer les étoiles. Becker. Le chauffe, non. Libellule, non. Grizzly. Viens ici. Je fais ça parce que je veux. Ok, les belles lunes. Voilà. Comment te sens-tu? Tu as été correctement soigné. Un petit peu au rein, pas trop bien, mais ça va. Donc maintenant, on va te repasser en visite médicale. Voilà. Ok.
Alors, Animal Corpse, oui, et oui. Ok. On a une guenille. Malheureusement, elle est normale, on en était sûr et certain. On va donner ça à Dan, je suppose. Alors, à toi, tu es habillé comment? C'est bon. Vache, t'as un pantalon, mais à 48%. Donc, vache, tu me fais de l'agriculture, tu dois aller dehors. Donc, vache, tu viens ici. Et puis, tu reviens t'endormir. Voilà. Alors, il faut que tu enlèves plein de trucs. Ok. Alors, ça, on va remballer, d'accord, ok. Bien. Vache, comment es-tu maintenant? Ta santé? Tu es encore qu'à 86%, donc tu te reposes. C'est bien fait à voir, hein, la petite là. Alors, on a ça, c'est fini. Et ça, on doit lui donner à ce moment-là. On va fermer ça. On s'en fout de ce mec. Il m'intéresse pas, puisque je ne peux rien faire avec.